Mesdames et Messieurs les représentants des médias présents physiquement ou virtuellement, j'ai le plaisir de vous saluer bien cordialement. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre organisation cantonale de conduite dans le cadre de Covid-19. Nous avons vécu notre troisième week-end après les mesures de confinement partiel décidées par le Conseil fédéral le 20 mars dernier. Un week-end qui s'est passé sous un soleil radieux, mais assombri toutefois par la crise sanitaire. En effet, depuis vendredi 11h, 15 personnes sont décédées du Covid-19, passant le bilan dans notre canton à quelques 41 décès formellement attribués au coronavirus. Pour rappel, le premier décès dans notre canton est intervenu le 18 mars, il y a seulement deux semaines et demie. Laissez-moi vous parler comme directeur de la sécurité et de la justice. Chaque année, on évoque avec la police cantonale des objectifs de prévention routière que l'on traduit aussi en termes de nombre d'accidents ces 10-15 dernières années nous étions soulagés, quelque peu rassurés, quand à la fin décembre, nous totalisions un nombre d'accidents le plus limité possible, en dessous de 10 accidents mortels, et bien là, en deux semaines et demie, nous avons enregistré quatre fois plus de décès que la route en provoque en une année. Le défi est donc vaste, la nature du combat est Pourtant identique dans la mesure où il s'agit avant tout de prévention et d'obtenir de la population qu'elle respecte un comportement donné, un comportement responsable. Nous devons encore et toujours prévenir, informer, faire prendre conscience à la population de son rôle prépondérant dans la stratégie sanitaire qui est menée au niveau national et au niveau cantonal. Et nous devons aussi sanctionner, et nous le faisons, nous le ferons à l'avenir de manière plus ferme encore si nécessaire, sur les comportements dans l'espace public ou privé en ce qui concerne les règles sur les rassemblements, sur la distance sociale, sur le respect des règles par les commerces, sur le respect des règles aussi par les entreprises, notamment sur les chantiers. Et là, la police cantonale, avec le service public de l'emploi, a préparé une stratégie aussi qui va permettre de débloquer les effectifs nécessaires pour faire les contrôles, en collaboration le cas échéant avec la Souva, sur les chantiers pour faire respecter les normes de l'OFSP. Le Conseil fédéral a décidé de maintenir ouverts les chantiers, pour autant que ces normes OFSP sont respectées. Pour être crédible, il faut donc veiller également à ce respect et nous le ferons dans la proportionnalité, mais aussi avec fermeté. Il n'est pas inutile de rappeler une fois encore les règles à suivre. Ces rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits. Il faut garder cette fameuse distance sociale de deux mètres ne se déplacer qu'en cas de nécessité, éviter également les activités à risque, et si nous prenons l'air, le faire seul ou avec les, les personnes habitant avec soi, et puis bien sûr et essentiellement se laver les mains le plus souvent possible. Vous pouvez l'imaginer, la direction de l'OCC, toute la stratégie cantonale est complexe. Elle nécessite beaucoup de compétences en termes d'organisation, de conduite, de coordination, de communication. Mais nous pouvons nous réjouir de disposer de ces compétences dans le canton de Fribourg, en particulier aussi dans notre administration cantonale et chez nos partenaires para-étatiques. Je pense là en particulier à la l'HFR, aux EMS aux aides et soins à domicile, aux services d'ambulance, aux sapeurs-pompiers, à l'armée, à la protection civile. Et ces compétences s'expriment au sein de l'organe cantonal de conduite, l'OCC, et de sa sous-structure, l'organe cantonal de conduite sanitaire, l'OCS. Comme directeur de la sécurité et de la justice, mais aussi comme membre de la délégation COVID-19 du Conseil d'État, avec notre présidente. Je veux aussi remercier, au nom du gouvernement, nos principaux responsables. Je pense là particulièrement à M. Christophe Biffrard, chef OCC, son remplaçant, le commandant Philippe alain M. Thomas Platner, chef OCS, et également M. Ronald Follnanton, directeur médical à la tous ici présents. Vous le savez, le cœur de la crise est sanitaire, mais ce n'est pas qu'une crise sanitaire. Nous constatons des répercussions très importantes et durables sur plusieurs plans. Sur le plan économique, on le sait, nous vivons et nous allons vivre la pire crise économique depuis plusieurs décennies, avec des risques d'arrêt d'activité, des risques de faillite pour des entreprises qui pourraient ne pas se relever. Des risques aussi sous l'angle social, puisque beaucoup de personnes pourraient se retrouver au chômage, licenciées, en arrêt partiel, avec des situations pour des commerçants, pour des indépendants extrêmement lourdes, avec un risque de précarité sur le plan cantonal et national. Sous l'angle sociétal également, le canton de Fribourg connaît un extraordinaire tissu social avec des associations sportives, culturelles d'une richesse incroyable. Eh bien, nous vivons quasi à l'arrêt actuellement et le redémarrage de la vie sociale sera long. Il n'est pas certain que l'on retrouve rapidement le niveau d'avant exemple qui me concerne je fais depuis 47 ans de la musique dans la société de mon village et eh bien depuis 47 ans c'est la première fois ce samedi que je n'ai pas pu participer au concert annuel de, de la fanfare avec mes collègues et c'était un crève-cœur mais c'est un crève-cœur que vivent de nombreuses fribourgeois et fribourgeois et puis sous l'angle humain naturellement cette crise va modifier en profondeur nos interactions humaines on ne peut plus se faire la bise, on ne peut plus se serrer la main. Combien de temps donc, même après le déconfinement, euh, faudra-t-il pour vivre à nouveau normalement, pour euh, permettre de vivre ensemble, qui fait aussi notre solidité, notre solidarité. Sous l'angle de la stratégie sanitaire, nous l'avons encore évoqué ce matin au sein du Conseil d'État. Et à titre personnel, j'attends effectivement désormais que le Conseil fédéral nous présente un plan sanitaire de sortie de crise dans les meilleurs délais. Je ne parle là même pas de reprise de l'activité économique, mais de connaître finalement quelle est la stratégie sanitaire du Conseil fédéral. On le voit, le débat il est mené maintenant publiquement et en transparence dans de nombreux pays. Et à l'évidence, l'enjeu ne peut pas être simplement de vouloir protéger les personnes âgées ou à risque. La, la vraie question, à un moment donné, ce sera de savoir comment vaincre ce Covid-19, comment vaincre cette maladie. On le voit, la vaccination ne semble pas imaginable avant de nombreux mois. Dès lors, deux solutions sur la base des constats médicaux qui sont discutés actuellement dans les milieux scientifiques, ou bien on veut immuniser la population et pour atteindre ce but, il faudra accepter que celle-ci soit progressivement touchée par le Covid-19. Les experts nous informent qu'il faudrait au minimum 60% de la population touchée. Pour qu'une forme d'immunité puisse s'installer dans la population. Avec un virus, on peut obtenir, ou avec un vaccin, pardon, on peut obtenir un taux de plus de 95 mais ce vaccin n'est pas présent. Et donc là, si on choisit cette option A, d'accepter la diffusion du virus dans la population pour obtenir cette immunité, eh bien, il faudra naturellement limiter l'ampleur de la vague pour éviter une casse sanitaire, pour éviter un débordement dans nos infrastructures d'accueil, mais avec le souci aussi d'éviter que cette stratégie ne dure trop longtemps, dure des mois, voire des années, ce qui pourrait engendrer naturellement un crack économique et social. Ou alors option 2, c'est ce que semblent prôner maintenant certains pays, où on veut éviter que la population ne soit infectée. Et on part de l'idée qu'on peut accepter une reprise progressive des activités moyennant un port quasi généralisé du masque. C'est la stratégie qu'ont décidé plusieurs pays dans les pays de l'Est. C'est une stratégie qui semble fonctionner à Singapour. On en voit les reportages. Le défi consiste alors à vivre avec cette protection et puis surtout à fournir en suffisance la population de ces éléments protecteurs. 8,5 millions d'habitants en Suisse. Si vous partez de l'idée qu'il faudrait changer deux à trois fois par jour de masque, vous voyez le nombre de masques qu'il vous faut pour une seule journée et ceci peut être pour X mois. Et actuellement, les cantons, les établissements à risque sont, se sont sentis bien seuls pour relever ce défi d'acquisition. C'est un défi majeur sur le plan national, sur le plan international. Il en va d'ailleurs de même pour les tests qui, selon nous, devraient être maintenant augmentés et procédés à plus large échelle. Voilà quelques réflexions sur une discussion sensible, mais une discussion à laquelle nous n'échapperons pas ces prochains jours, ces prochaines semaines dans le pays, car il est difficile pour moi d'envisager au-delà des prochaines semaines, au-delà des tout prochains mois, ce semi-confinement, ce confinement quasi arrêt économique et sociétal. Je vois mal repartir cet automne avec des écoles à nouveau ou toujours fermées, une économie quasi à l'arrêt. Je crois qu'à un moment donné, on devra prendre des options sanitaires qui auront naturellement des conséquences sur les options économiques et sociales. Si j'en reviens à l'organisation fribourgeoise, le Conseil d'État... A pris garde d'intégrer au sein de l'OCC toutes les forces vives nécessaires. Et nous avons ce matin encore adopté un nouvel arrêté qui adapte finalement l'OCC à la réalité, aux expériences du terrain que nous avons fait ces premières semaines, en nommant notamment un bureau qui rapporte directement à la délégation du Conseil d'État avec un organe OCC. Et respectivement des spécialistes qui sont là en appui. Et c'était important pour nous d'avoir dans cette OCC des représentants des préfectures, des communes, des structures intercommunales, mais aussi de l'économie. Et je dois dire qu'on a la chance de pouvoir compéter, de compter sur des compétences extrêmement précieuses. Au niveau de ma direction, direction de la sécurité et de la justice, je dois vous dire que. Je jette actuellement dans la bataille toutes les forces internes disponibles et notre direction joue un rôle moteur dans cette guerre contre le virus. Elle entend assumer pleinement la responsabilité qui est la sienne sur le plan politique mais aussi sur le plan opérationnel. Quelques chiffres pour illustrer ce message. Le service de la protection de la population des affaires militaires délègue actuellement euh, 16 personnes, inclus les personnes professionnelles de la protection civile, pour et en soutien de l'OCC. Pour la police cantonale, le commandant pourrait en parler encore mieux que moi c'est actuellement une, une énorme implication, puisqu'on estime environ 400 personnes, policiers civils, qui sont euh, impliqués dans l'OCC où on soutient de l'OCC avec naturellement le, le commandant dédié comme remplaçant chef OCC, mais également le chef de la gendarmerie, l'école d'aspirants qui a été redéployée dans plusieurs secteurs. Et puis nous mettons naturellement à disposition des infrastructures, les locaux, en particulier MAD3, qui est le QG de l'OCC. Cette police qui est aussi déployée dans le terrain pour faire respecter les, les décisions, les interdictions. À travers le service de la protection de la population des affaires militaires, nous avons euh, convoqué également la protection civile. À ce stade, c'est 550 astreints qui sont mobilisés, qui sont déployés au HFR, dans les EMS, euh, qui représentent une troupe flexible qui permet de d'adapter aussi au jour le jour les besoins et les soutiens et s'agissant de l'armée comme vous le savez nous avons fait appel à la confédération pour obtenir en particulier les troupes sanitaires ce sont 120 personnes qui sont actuellement engagées en faveur du HFR à la DSJ toujours le secrétariat général est aussi pleinement mobilisé pour la communication à travers le secrétaire général adjoint pour les aspects juridiques aussi, le service de la police du commerce qui élabore aussi des règles liées à l'exercice du commerce qui suit, je dirais, tout, tout l'aspect euh, établissement public. Un sujet aussi euh, extrêmement sensible qui a peut-être peu été thématisé actuellement, c'est tout le domaine pénitentiaire avec euh, l'établissement de, de Bellechasse, respectivement la prison centrale qui sont... Intégré dans l'établissement de détention fribourgeois. Vous pouvez l'imaginer, c'est une période de restriction de contact, en particulier à Bellechasse actuellement. Il n'y a quasi plus de visites autorisées, avec le lot parfois de tension que cela peut impliquer. On compense aussi en mettant notamment des, des moyens de communication à disposition pour les prisonniers, pour les familles. En mettant des iPads notamment à disposition. À la prison centrale, on a des, des vitres qui nous permettent encore, sous certaines conditions, d'accueillir des, des visites. Mais c'est un, un sujet de réflexion permanent. Et tous les matins, il y a une séance de coordination avec les services concernés qui suit l'évolution dans le domaine pénitentiaire. Parce que là, c'est rapidement un lieu de, de propagation, d'insatisfaction. Et on a pu voir à l'étranger ce que peut donner effectivement d'éventuelles insurrections. Et puis le service de la police des étrangers, le SPOMI, est aussi directement impliqué aussi dans la gestion de toute la problématique des ressortissants étrangers, des allées et des venues avec les restrictions que l'on connaît. Et enfin, le domaine judiciaire, l'objectif c'est d'assurer la pérennité de l'exercice de la justice par les différentes instances du pouvoir judiciaire actuellement encore alors naturellement il y a des possibilités euh, parfois de télétravail dans le cas de la préparation des jugements du secrétariat mais euh, avec le conseil de la magistrature nous avons émis une directive qui a pour objectif d'assurer le fonctionnement des tâches essentielles de la justice parce que par les temps qui courent, on a toujours d'autres réalités à gérer. Vous pouvez imaginer la problématique des, des conflits familiaux, des gardes d'enfants. Et là, on ne peut pas attendre la fin du coronavirus pour euh, gérer et prendre des décisions dans ces euh, situations d'urgence. Un grand merci donc à l'ensemble des collaboratrices, des collaborateurs à l'État de Fribourg et dans ma direction en particulier qui sont impliqués au quotidien euh, dans ce travail de suivi. Voilà, mesdames et messieurs, le message que je souhaitais vous passer. J'ai le plaisir maintenant de donner la parole au commandant, Monsieur Philippe Alain, qui va vous donner aussi quelques informations sous l'angle opérationnel pour la police cantonale. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, mesdames, messieurs. Nous avons une chance incroyable dans notre pays par rapport à ceux qui nous entourent, c'est que il y a une forme de liberté, certes réglementée. Et il faut le dire, cette chance bénéficie à 95 de la population. Dans le cadre des contrôles, euh, les policières et policiers de terrain m'ont fait remarquer à quel point euh, les contacts que nous avions avec euh, la population et les personnes que nous rencontrons sont, sont formidables. Il faut vraiment voir que ce 95 là use de bonnes pratiques, vit ce semi-confinement ou cette liberté réglementée autant que faire se peut, et c'est pas facile. Non plus pour la police de demander aux gens de ne pas se rassembler, aux gens de ne pas se serrer la main, aux gens de finalement respecter ces règles qui sont fondamentales. Car chacune et chacun peut porter la détresse de l'autre sans le savoir. Et ça c'est quelque chose qui, euh, qui doit vraiment rester au clair. On va parler maintenant du 5% restant. Et la police cantonale entend quand même faire la part des choses. On parle bien donc du 5%. Ce sont ces... Euh, 96 amendes d'ordre que la police a dû prononcer euh, ce week-end pour euh, du non-respect de la distance entre personnes ou pour des rassemblements de plus de 5 personnes. Des situations euh, parfois conflictuelles avec des personnes qui doutent encore euh, de, du virus et puis qui, euh, dans une logique euh, sidérante parfois, viennent à s'opposer à un acte de l'autorité, alors là même que je crois qu'il n'y a plus. À discuter du bien fondé des mesures. Il n'y a plus à débattre, il faut simplement s'y tenir. Et là, la police cantonale essaie de faire la part des choses avec proportionnalité, ouverture et bon sens. Toutefois, il y a encore trop de situations qui paraissent incroyables. Nous avons également dû intervenir dans d'autres situations qui, parfait, qui euh, paraissent parfaitement sidérantes, compte tenu, ce sont des. Euh, des parties improvisées dans des halles à plusieurs dizaines de personnes. Euh, ce sont d'autres situations rencontrées qui nous laissent penser parfois qu'il euh, y a quelque chose de noble et d'important dans l'exercice du métier dans les circonstances actuelles. Et la police entend vraiment bien, je le répète, faire la part entre les 95% et la négligence d'un côté, et puis les actes qui rentrent parfaitement pas dans le cadre. Nous avons également euh, vu une, augmente, une occupation de certaines places de jeu malgré les interdictions communales ou locales prononcées. Là la police intervient auprès d'un public qui est parfois jeune, parfois moins jeune. Et là aussi, il y aura une fermeté de la part de la police pour que les interdictions prononcées par les communes soient respectées, que ce soit des secteurs ou de, des places de jeu. En termes de sécurité routière, nous avions fait un appel à limiter les... ou à. On va dire faire attention aux pratiques à risque. Euh, nous continuerons, en matière de sécurité routière, à traquer les délits et les crimes de haute vitesse. Et je crois que ce week-end, il y a eu l'information d'un véhicule qui a roulé à 144 km/h dans le 80. Et là aussi, de penser que parce qu'il y a moins de monde sur les routes, on peut faire des essais, c'est parfaitement, parfaitement en dehors du cadre. Et nous sommes encore présents pour euh, veiller à ce que les routes ne deviennent pas euh, des circuits. Nous le sommes en temps normal, nous le sommes de manière encore plus ciblée, car notre objectif n'est pas de remplir les caisses de l'État, mais de vider les hôpitaux. Ensuite de cela, la police ne pèse pas la garde en matière de violence au sein du couple, violence domestique. Au contraire, la collaboration avec euh, tous les partenaires de la chaîne euh, du traitement de la violence au sein du couple a été renforcé pour que, euh, non, il n'y a pas d'impunité dans cette période. Et malgré la difficulté du confinement et des pressions qui peuvent en résulter, il s'agit de trouver euh, d'autres stratégies que la violence et d'autres modes d'expression. Et nous serons là également dans une stratégie de grande vigilance. Et il n'y a pas de place pour de la violence en cette période. Et nous suivrons toutes les affaires, toutes les affaires portées. À notre connaissance. Ensuite de cela, le directeur l'a dit, la police s'est réorganisée pour se tenir prêt à durer et à endurer durant les prochains mois. Ce sont 400 personnels qui sont assignés à la mission Covid, que ce soit pour appuyer l'organe cantonal de conduite avec diverses compétences, ou bien pour vraiment cibler les actions de l'application de l'ordonnance Covid pour être dans le terrain auprès de la population souligner les bonnes pratiques il y en a et puis également dénoncer les comportements euh, on va dire qui ne sont pas souhaitables. intervenir avec la problématique covid pour la police cantonale c'est un exercice assez risqué c'est une euh, au même titre que d'autres personnels hein, la police n'a pas le privilège là ou. C'est comme tous les autres services, on a dû prendre des mesures pour protéger notre personnel, pour adapter les gestes métiers et je dirais les actes judiciaires à la situation actuelle. C'est en parfaite collaboration avec les autorités et sous, on va dire, la, la haute surveillance de, des services du médecin cantonal que nous avons essayé de trouver euh, des remèdes pour faire notre métier de la manière la plus professionnelle police, possible, tout en préservant aussi longtemps que possible notre personnel. De l'infection. Nous avons un taux d'infection à l'heure actuelle qui est de 4 du personnel. Alors, infection ou confinement, c'est assez peu. C'est la preuve que nous avons pris assez tôt les bonnes mesures et que nous espérons que cela pourra suffire pour tenir toutes ces prochaines semaines avec un effectif disponible pour la population. Enfin, euh, vous l'aurez compris, à la veille euh, des week euh, du week-end pascal, la police cantonale ne va pas baisser son intensité dans son contrôle, elle va continuer à travailler de manière connectée à la situation, connectée à ce qui se passe, assumer 100% des demandes qui viennent à elle. Nous allons travailler avec la performance nécessaire et le bon sens fribourgeois. On ne va pas ouvrir euh, l'épisode le plus sombre de notre canton, mais au contraire, essayer autant que faire se peut d'amener les gens à venir avec euh, avec le bon sens, à respecter ces mesures, et responsable, à savoir de faire en sorte que les mesures qu'on prenne soient durables et qu'elle après Covid soit une période de reconstruction et pas de défiance envers l'État. Merci, Monsieur le Directeur. Merci, Monsieur le, Merci, Monsieur le Commandant, pour euh, ce message et le soutien de l'ensemble des forces de la police cantonale. Je passe maintenant la parole à Monsieur Thomas Platner, qui est le chef de l'organe cantonal de conduite sanitaire. Monsieur Platner. Euh, merci beaucoup. Euh, sur le plan sanitaire, la situation est actuellement stable. Euh, L'augmentation des cas Covid est moins grave de ce qu'on croyait au début. En effet, on a le sentiment que la courbe s'aplatit un petit peu. C'est une observation que font également les autres cantons. Um, et puis on, on, est, on, on croit que ou on pense que c'est une conséquence du respect des mesures par la population um, qui sont qui sont uh, proposées par la Confédération ou ordonnées par la Confédération et le canton. Uh, donc les mesures que la population fribourgeoise semble bien uh, respecter. Au niveau du système de santé. À la situation, on dirait, est sous contrôle. Les institutions et les professionnels sont bien chargés, mais les capacités sont pour l'instant suffisantes pour prendre en charge les personnes malades. Il est toutefois important de souligner qu'il faut peu pour que le système décompense. Nous avons par exemple que 11 places libres aux soins intensifs de l'hôpital cantonal pour ce moment. Pour prendre en charge des personnes sévèrement atteintes du virus. Il y a par exemple oui, il y a une antenne de, de personnes malades au sein du personnel euh, dans les EMS. Et nous sommes également confrontés à un manque de certains matériels et médicaments qui sera un stock qui sera rapidement consommé si l'incidence de la maladie devrait euh, continuer d'augmenter. De, de, le canton continue à se préparer pour un afflux important de patientes et patients, mais il est très important que la population continue de respecter les consignes et recommandations du canton et de la Confédération. Je dis ça en vue d'un week-end Pascal qui se promet ensoleillé et nous avons peur que la population euh, va profiter du beau temps, va sortir, se rencontrer en famille ou en groupe, euh, faire des criades, de balades, etc., avec les risques d'infection liés, dont les conséquences seront euh, subies par le système de santé dans les, dans les deux semaines qui viennent. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Dr. Plattner, für diesen euh, Rappel der Situation unter dem Sanitär. Ich habe jetzt die passer die Wortmeldung an Monsieur euh, von Lanten, le Dr. Ronald von Lanten, der ist der Direktor des HFR. Sehr geehrter Herr Staatsrat, herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich fange heute mit einem Aufruf an die Bevölkerung an. Ich werde mir erlauben, das in zwei Sprachen zu formulieren. Der Aufruf richtet sich vor allem an Patienten mit chronischen Erkrankungen. Wir stellen fest, dass in letzter Zeit diese Patienten ihre Hausärzte weniger aufsuchen und auch weniger auf den Notfallstationen präsent sind. Das kann dazu führen, dass sich der Gesundheitszustand von den Betroffenen relativ schnell verschlechtern kann und in eine gefährliche Situation münden kann. Wir bitten Sie deshalb, zögern Sie nicht, Ihren Hausarzt oder die Notfallstation aufzusuchen, wenn Sie ein Gesundheitsproblem haben. Sie werden schnell und sicher behandelt werden. Weder die Hausarztpraxen noch die Notfallstationen sind zurzeit überlastet und die Patientenpfade zwischen Covid- und Nicht-Covid-Patienten sind mittlerweile getrennt worden. J'ai une information importante à la population et puis surtout pour les patients avec des maladies chroniques. Nous constatons qu'on qu a une baisse signif significative à, de la fréquentation des urgences. Cela peut conduire à une dégradation rapide de l'état de santé d'une personne, surtout avec une maladie chronique. C'est pourquoi nous insistons sur le, les informations suivantes. N'hésitez pas à consulter votre médecin traitant ou à vous rendre aux urgences si vous rencontrez un problème de santé. Vous serez pris en charge rapidement et en toute sécurité. Ni les cabinets des médecins généralistes ni les services d'urgence ne sont actu actuellement surchargés et deux filières bien distinctes ont été mises sur pied pour séparer les patients Covid et non-Covid. Ich möchte Ihnen heute ganz kurz ein neues Projekt des HFR vorstellen, das wir zusammen mit dem kantonalen Führungsorgan in den letzten drei Wochen auf die Beine gestellt haben. Wir haben eine erste Testphase begonnen mit der Telemedizin. Dabei handelt es sich um ein System, bei dem eine Pflegefachperson oder eine Hilfskraft beim Patienten mit einem Koffer erscheint, in dem alle diagnostischen Tools vorhanden sind, mit einer Direktverbindung per Video zu einem Arzt, der bei uns im HFR in der Zentrale ist und mit dem erste Tests am Patienten und Erstuntersuchungen durchgeführt werden können. Au vu de la situation sanitaire actuelle en lien avec le Covid, l'HFR, en collaboration avec l'organe de conduite cantonale, a mis en place ces trois dernières semaines un centre de télémédecine. Cette nouvelle prestation s'adresse à des établissements du canton dont les patients ne peuvent ou ne doivent pas se déplacer à cause de la situation sanitaire actuelle. La télémédecine permet aux personnes fragiles ou à mobilité réduite de bénéficier d'une consultation ambulatoire de base à l'hôpital sans quitter leur domicile. Cette approche novatrice est actuellement en phase de test auprès de différentes institutions de, du canton. Wir werden System nächste Woche der Presse näher Das HFR und das kantonale Führungsorgan haben auch einen Instagram-Account ins Leben gerufen, Hashtag FR Together. Zusammen mit der Unterstützung unserer Partner und der gesamten Bevölkerung sind wir momentan stark mit der Bewältigung der Epidemie beschäftigt. Wir möchten in diesem, Zusamm diesem Zusammenhalt ein Gesicht geben. Mit dem Account können wir die Arbeit aller hervorheben, die beteiligt sind und in Kontakt zur Freiburger Bevölkerung treten. Ich möchte mich an dieser Stelle bei der ganzen Bevölkerung für die große Solidarität, die wir aktuell erfahren, bedanken. Wir möchten uns auch ganz speziell bedanken für die Unterstützung der Großeltern, das Verständnis der Kinder. l'aide des parents et des voisins qui sont directement affectés par cette pandémie. L'ensemble de la population est actuellement, est actuellement très solidaire avec des établissements de la santé et de l'HFR. Nous tenons à vous remercier pour le soutien important. Ces, remercier, euh, ces remerciements vont à tous les grands-parents, tous nos enfants tous les parents et nos, nos voisins qui sont directement touchés par notre travail. Merci beaucoup. Merci au docteur von Lanten pour ce message HFR. Mesdames et messieurs, vous l'aurez donc constaté, nous sommes toutes et tous pleinement mobilisés pour faire face le mieux possible à cette situation. J'espère que la population fribourgeoise pourra s'inspirer de cette semaine sainte maintenant pour adopter un comportement toujours responsable. Nous essayons d'éviter la maladie, d'éviter le calvaire, mais nous n'avons pas encore la capacité de provoquer des résurrections. Alors, merci en tout cas pour votre soutien et je souhaite d'ores et déjà de belles fêtes de Pâques. À toutes les familles fribourgeoises, en famille et à domicile. Voilà, Mesdames et Messieurs les journalistes, nous sommes à votre disposition pour d'éventuelles questions. Monsieur Henny. Une Nachfrage zum Verständnis: habe ich bien richtig verstanden? In den Heimen 90 Personen erkrankt Personal. Richtig, das sind die Zahlen von gestern, wo wir festgestellt haben, dass effektiv in den Heimen im Moment 92, wenn Sie die genaue Zahl wissen wollten, das ist stand gestern Abend 19.30 Uhr, ähm, erkrankte, Covid-erkrankte beim Personal. Notgestion? Also dabei Entschuldigung, Entschuldigung, dabei sind auch Verdachtsfälle. Also das sind nicht alles bestätigte Fälle, aber Fälle, die also Personen, die Krankheitssymptome haben, die, die, sie, die auf ein Covid hinweisen könnten oder die ein Covid sein könnten. Entschuldigen Sie. Oui, Madame. J'ai une question pour Monsieur Philippe Alain. Vous avez parlé de 96 amendes en un weekend Est-ce que on est face à une augmentation comparée au weekend précédent? Notamment dû à un relâchement peut-être de la population ou aux vacances de Pâques qui ont débuté Je vous remercie pour la question. On a, je pense, trois effets. Le premier, c'est certainement le, le contrôle policier et la manière dont on a abordé les situations qui s'est voulu volontairement plus déterminer de la part des forces de police, partant du principe que la phase préventive était, était passée. Une deuxième explication, c'est certainement un meilleur ciblage de la police sur les spots ou les endroits qui étaient susceptibles d'accueillir des rassemblements non, non souhaitables. Et puis la troisième, certainement, évidemment, que la météo constitue en soi un régulateur social. On a eu une météo qui, qui était favorable pour, pour sortir. Je dirais que ce troisième aspect-là est, est moins pertinent selon moi il joue un rôle. Mais on va dire, c'est les trois éléments ensemble qui ont amené à un résultat d'une action plus déterminée, mais aussi mieux ciblée de la police. Mais j'insiste toujours proportionnelle et toujours axée sur une stratégie qui se veut à la fois préventive, dissuasive et finalement répressive. Ça, c'est très important de, de le signaler, quand même. Par contre, euh, je l'ai déjà dit, il y, y a des situations dans lesquelles le message il est clair. Il n'y a pas d'état d'âme. Les règles du jeu sont, sont connues. Et euh, ce n'est pas le moment de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Les enjeux sont trop importants. Merci. Oui Je crois que vous pouvez peser sur. Ah voilà, c'est bon. Excusez-moi. Euh, par rapport à la, à la circulation routière, euh, donc il y a eu un accident de moto ce week-end, je crois. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la statistique que vous avez évoquée au début. De... La question est pour moi, j'imagine. Oui, c'est oui, ça. Tout vous à fait. Parmi... Alors, on, chaque année, on a des statistiques dans tous les domaines de, des délits et de la criminalité. Et régulièrement, on, on examine aussi la situation des décès dus à des accidents de circulation. Et en ce sens-là, je disais qu'on espère chaque fois que d'être en dessous de 10 cas d'accidents mortels par année... Et là, je faisais l'analogie la, avec le Covid-19 qui, en deux semaines et demie, a déjà provoqué 41 personnes. Donc 41 décès en, en une vingtaine de jours, alors qu'on a moins de 10 décès par année en principe par accident de circulation. Mais effectivement, ça me permet de rebondir pour dire qu'on a eu un accident grave de, de moto, un hein, jeune d'une vingtaine d'années ce week-end. Et l'objectif, effectivement, de l'appel à la prudence de la police cantonale, c'était de dire, évitons euh, si possible... Euh, d'engorger les urgences ou les soins intensifs avec des accidents de circulation, vélo, en particulier moto. Oui, pardon. Euh, dans ce sens, justement, est-ce qu'on est qu constate une évolution au niveau de, de la circulation routière Parce qu'il y, y a beaucoup de moins de, de voitures sur la route, mais elles roule peut-être plus vite. Voilà. Oui, effectivement, il y a une densité de circulation qui est moindre ou qui est différente, on va dire. Elle n'est pas moindre, mais les flux sont, sont répartis différemment. Je tiens déjà à dire que chaque année, à la même période, la police cantonale conduit des efforts de prévention et de répression ciblés sur les axes très roulants. C'est toujours à cette période de l'année qu'on sait que on va sortir, il fait meilleur, mais la route, elle est toujours. Ben, les elle elle pas top, les, les, les chemins sont assez gras, euh, les réflexes ne sont pas là et puis il y a cette volonté peut-être de tester les mécaniques. Donc je dirais qu'on a des phénomènes saisonniers qui sont parfaitement euh, cycliques. Par contre c'est pas le moment. on va dire on l'a assez dit, ça tombe pas bien. Et puis je dirais les logiques qui euh, d'habitude s'appuient sur un système de santé qui euh, dont on peut assurer une pleine et entière performance ben, là, euh, il y aura des, des questions probablement de surcharge et de tri qui ne sont pas favorables pour se mettre en, en situation de danger dans les prochaines semaines. Donc oui, il y a moins de circulation. Oui, ça roule un peu plus vite parce que les champs sont plus disponibles. Il y a plus d'ouverture. De, de, et puis oui, ce n'est pas du tout le moment. Donc la police va rester très attentive et continuer son travail de manière ciblée comme elle le fait chaque année, mais avec un objectif là-dedans qui, qui se veut encore plus noble que d'habitude. Alors oui, Madame Oui, euh, vous avez parlé aussi, euh, vous avez abordé les violences domestiques. Est-ce que justement vous voyez euh, une augmentation avec ces périodes de confinement de, des, des cas? Monsieur le commandant. Alors d'un point de vue strictement statistique, pour le moment ce n'est pas le cas. Je profite de dire faut faire attention parce que les statistiques, c'est vraiment des, des cumuls sur une certaine période, donc ça fait que un mois. Donc je pense que ce chiffre là faut pas le prendre d'une manière fixe et absolue. Euh, c'est quelque chose qui doit se qui doit se construire, c'est des phénomènes. Hein. Donc on n'a peut-être pas assez de recul d'un point de vue statistique, mais la réponse est pour l'instant nous n'avons pas d'augmentation du nombre. Nous avons par contre une intensité plus grande des cas qui nous sont annoncés que d'habitude. Là aussi, j'encourage à la prudence, parce que euh, quand on parle d'intensité, ça. Ce n'est pas simple à calculer euh, de ce point de vue-là. Par contre, ce qui est certain, c'est que nous avons par expérience et avec le réseau que nous avons en matière de violence au sein du couple, nous sommes membres de la commission des violences au sein du couple, et là, les indices psychologiques et sociaux d'un danger accru à terme sont vraiment là, et le besoin de coordination de tous les acteurs est vraiment là. Et là, notre stratégie, ça a vraiment été de dire on ne lâche rien, on met en réseau encore plus vite que d'habitude pour pour libérer des situations de pression familiale autant que faire se peut. Que ce soit la prise en charge des victimes, ça c'est certainement la priorité. Que ce soit la dénonciation pénale et le traitement pénal et administratif, c'est aussi la priorité. Il y a aussi toute une stratégie qui existe déjà en matière de prise en charge des auteurs, cas échéant. Donc là, il y a quelque chose de, de normal plus, si on veut bien, qui s'est mis en place avec tous les acteurs déjà depuis plusieurs semaines. Hein. Donc il s'agit de voir, alors est-ce que les mesures qu'on a prises ont un effet sur les stats Là aussi, je n'entends pas l'affirmer tel qu'elle, il nous faut plus de recul pour l'affirmer. Je compléterai la réponse en disant aussi que même en période de confinement, naturellement, la personne victime de violence peut et doit quitter le, le domicile conjugal hein, pour euh, demander de l'aide. On a d'ailleurs, au niveau du Conseil d'État, transmis au Grand Conseil un projet de loi d'aide aux victimes de, de violence qui doit être traité par le, le Grand Conseil, on espère le plus rapidement possible. Mais enfin, vous connaissez la situation pour dire que actuellement le Grand Conseil ne siège pas. Mais effectivement, d'après les, je dirais les, les informations qui nous sont communiquées aussi par les, les, les experts dans le domaine de la psychologie familiale, il est à craindre que si le, le confinement ou le semi-confinement doit durer sur des semaines et des mois, la, le champ de tension devienne plus, plus aigu. Donc, il y a quand même un, un risque là, effectivement. in Term der de Violence, konjugale uh, oder familiale. Annie? Wir haben erfahren, also, wie viele Ansteckungen oder auch Verdachtsfälle bei den Heimen. Wir haben auch von der Polizei etwas gehört. Deshalb vielleicht noch die Frage an Herrn von Landen. beim HFR. Wie viele Ansteckungen oder vielleicht auch Verdachtsfälle gibt es dort beim Personal? Ich kann Ihnen leider die Gesamtzahl nicht sagen. Ich weiß, dass stand heute Morgen 35 Mitarbeiter ähm, erkrankt waren am, am Covid. Das entspricht etwa 1% der Mitarbeiter. Oui, alors quelques questions en ligne. Uh, une question pour vous, Monsieur le Conseiller. Vous avez évoqué ces deux options, à savoir l'immunité collective ou le port systématique de masques. Euh, quelle est l'option euh, favorite de l'OCC, respectivement du canton de Fribourg et, de, et de, des autorités cantonales Alors nous avons eu l'occasion d'échanger ce matin avec les, les responsables de l'OCC sur la problématique. Selon nous, euh, ce n'est pas un canton de choisir l'option, mais c'est bien une décision qui doit appartenir à la Confédération, en l'occurrence au Conseil fédéral. Par contre, on souhaiterait être informé le plus rapidement possible sur cette option de, de sortie de crise sous l'angle sanitaire. On sait qu'il en découlera après des, des éléments importants en termes de reprise d'activité économique et sociale. Mais à notre sens, maintenant, il faut que le Conseil fédéral, dans les plus brefs délais, communique finalement sa stratégie. Est ce qu'on veut intégrer la maladie dans la société pour rendre la population dans une situation d'immunité, ou bien est ce qu'on veut rejeter la maladie en se protégeant et en utilisant probablement tous les moyens à disposition, dont les masques. On a vu que c'est l'option retenue par certains pays. Encore faut il bénéficier et avoir, je dirais, l'infrastructure et les masques à disposition. Eine zweite Frage äh, auch für äh, Sie, Herr Staatsrat, äh, aber auf Deutsch. Im Kanton Freiburg bleiben die Schulen bis Ende April geschlossen. Sollte der Bund vor dem beschlossenen Termin äh, die Schulen wieder öffnen? Äh, wie verhält sich der Kanton? Ähm, natürlich äh, würde unser Kanton äh, dem Bundesrat folgen. Aber im Grunde genommen sind wir jetzt noch der Meinung, dass wir sicher unmöglich in den nächsten Wochen die Schulen wieder öffnen zu können. Aber hoffentlich können wir spätestens im Herbst wieder normal arbeiten können. Encore une question en ligne. Euh, Fuck retrouve. Euh, concernant la circulation, donc malgré les recommandations, euh, on a pu observer un grand nombre de motards sur les routes week-end. Envisagez vous des mesures plus strictes telles qu'une interdiction de circuler. Je vais me joindre euh, à la réflexion du conseiller d'État directeur tout à l'heure. Il n'y a je pense que la confédération qui puisse d'une manière ou d'une autre, restreindre la liberté de mouvement, de se mouvoir, de circuler euh, au sein de, de l'espace euh, de la Confédération. Le, le message n'a pas été un message d'interdiction de rouler, le message qu'il faut lire entre les lignes, c'est d'éviter les comportements à risque et rouler euh, à moto de manière très rapide et très nombreuse et, et, et éviter un, un comportement qui statistiquement génère un nombre d'accidents plus élevé. Et c'est vraiment ce type de comportement qu'il s'agit de réguler d'une manière ou d'une C'est une recommandation, ce n'est pas quelque chose qui est abordé sous l'angle répressif à l'heure actuelle. Pour ce qui est des mesures de la Confédération en vue du week-end prochain, euh, je n'ai pas d'informations qui aillent au-delà de ce qui a été échangé dans la presse dominicale. Merci. Est-ce qu'il y aurait encore une dernière question dans la salle Si tel n'est pas le cas, alors je vous remercie infiniment pour votre participation et votre intérêt. Je remercie aussi les différentes personnes qui m'ont accompagné pour ce point presse. Je vous souhaite un excellent après-midi et encore une fois de belles fêtes de Pâques.